Ce qui est drôle, c'est que lui est parti à 15 ans, moi aussi je suis parti à 15 ans de chez nous. Avec mon chum Kenneth, qui ressemblait à deux gouttes d'eau à Kurt Cobain. On n'est pas sauté les trains, mais on a fait le tour du Canada sur le pouce. Il est arrivé plein d'anecdotes, une pognée la picotte à la Saint-Jean-Baptiste dans une tente à la plaine d'Abraham. On a s'est fait inviter par Our Lady Peace, deux petits boys de 15 ans, dans les backstage avec Tea Party, c'était pas mal rock and roll. On a fêté le Canada Day avec une gang d'Ontariens habillés dans feuilles d'érable à tête aux pieds. Puis là, on s'est fait pogner par un trucker qui nous a laissé dans le nord de l'Ontario. Pour ceux qui connaissent ça, Timmins Hirsch, oubliez ça, on était plus au nord que ça, dans une route non chartée. Le secret des truckers. Il a dit, boys, I'll pick you up tomorrow morning at 8 o'clock. À 8 h demain matin, à tapant, on s'est levé à midi. Mais pas grave, pas grave. On avait une demi-poche de potato flakes, patates déshydratées, une demi-bouteille d'eau, puis trois bouteilles de Pepsi. On a fait des drôles de mix, ça a duré 3 jours. Fait là, ma mère, qui était un peu sorcière, elle a senti notre détresse, puis elle a appelé le Cosmos, puis elle a demandé à parler à Sandy, puis Sandy nous a envoyé cette van-là, une Chevy van avec trois belles Manitobaines qui fumaient de la weed. Puis un cool guy avec un chien, je me rappelle de lui aussi. Puis ils nous ont emmenés dans un festival folk. Et c'est là que j'ai découvert le secret le mieux gardé du Canada, la magnifique Winnipeg. You'll take me forward.